Jeannot est un bon garçon. Oui, c'est sûr. Mais les dames ne l'aiment pas. Méchante peste qu'elles disent. Qui sont ces femmes sur la tapisserie? Ce sont les dames. Ô ravissante dame à l'esprit tout-puissant, entendez mon appel et entendez mon chant. Devant vous se prosterne un ver insignifiant. Comment oses-tu troubler notre sommeil, femme? Quelqu'un parle à travers vous, n'est-ce pas? Beau et intelligent, ma foi. C'est un spécimen rare, mes sœurs. C'est donc vous et moi. En effet, je nous imaginais bien de l'être, peut-être. Ces garces du village ont encore colporté des ragots. Les humains sont des êtres jaloux et méchants. Est-ce qu'on ressemble à des noirs étrangers? Viens donc vérifier. Touche-moi, toison blanche. Touche-moi là où tu le désires. Dites-moi, je rêve où cette tapisserie est faite de cheveux. Oh, comme ses mains sont douces et sensibles. Touche-moi encore, mon garçon. Touche-moi. Où trouvez-vous des cheveux humains? Ne connais-tu pas la césure? Dans la région, un enfant devient un homme lorsqu'il coupe ses cheveux pour la première fois. Notre sœur tisse alors une tapisserie, et si la trame est droite, heureux est le destin. Et dans le cas contraire? Alors il faut la démêler. Cette tapisserie, c'est une prison. Vous êtes maudite? Oui, là, curieux. Nul ne peut nous maudire. C'est nous qui maudissons les autres. Je cherche une fille aux cheveux cendrés. Vous l'avez vue, je le sais. Où est-elle? Oh, comme il est impatient. Peut-être n'aime-t-il que les filles aux cheveux cendrés. Ciri est ma fille adoptive. C'est moi qui l'ai élevée. Et alors, si elle est gironde, quelle importance? C'est important pour moi. Je crois que nous avons touché une corde sensible. Regardez comme une boule de colère. Oh oui, c'est comme ça que je les aime. Vous l'avez rencontrée, je le sais. Dites-moi tout. Tu ne perds pas de temps, je vois. Très bien. Dis-moi, es-tu un homme, un vrai? As-tu peur des bêtes de la forêt? Nous vivons une période de troubles, toison blanche. Frère contre frère, et la terre est gorgée de sang. Le mal règne sur le pays, plus fort que jamais. Une sombre présence est apparue aux abords de Cuterrier. Elle se nourrit de haine et de mépris. Détruis la bête et nous serons reconnaissantes. Nous te dirons tout ce que nous savons sur cette fille aux cheveux cendrés. Une sombre présence? C'est un chevalier errant qu'il vous faut, pas un sorceleur. Parle à l'échevin de Cuterrier, il t'en dira plus. Et n'oublie pas de collecter notre dû, une fois la tâche accomplie. Et maintenant, notre servante va t'apporter la dague. Une dague? Pourquoi faire? Quand l'échevin verra la dague, il saura que tu es notre envoyé et il t'aidera sans réserve. Je vais parler à l'échevin, mais je ne vous promets rien. Qu'est-ce que tu attends, va? Donne-lui la dague. Quant à toi, toison blanche, ne reviens pas avant d'avoir accompli ta quête. Oui, maîtresse, la dague. J'arrive. J'apporte la dague. La dague, voilà, pour vous. Les dames m'ont demandé de vous la donner.
Placez le paiement de l'échevin sur la pierre. Pierre nue, pierre tondue, pierre voyante, pierre savante. En vrai, vous êtes différente de votre image sur la tapisserie. Eh bien, apporte ça. Ne cherche plus jamais à nous trahir. Tu as bien travaillé, mais c'est pourquoi nous te pardonnons cette petite transgression. Tes enfants sont tendres et doux. Mais pour le moment, nous devons parler au sorceleur. La femme qui s'occupe des enfants. Elle est ici par choix. Elle a une dette envers nous. Elle est folle. Elle connaissait les termes de notre pacte quand elle l'a accepté. Nous l'avons aidée. Elle a promis de nous servir. Désormais, elle est nôtre. Elle porte notre marque. C'est une autre femme qui t'intéresse, je crois. Parle, Toison Blanche. Vous étiez différente sur la tapisserie. Nous nous sommes faites belles rien que pour toi. Tu n'imagines pas le temps que nous avons passé devant la glace. Tu nous désires ? Vous savez pourquoi je suis ici. Ce que j'attends de vous. Toujours ils refusent, mais toujours ils reviennent. Nos corps si désirables hantent leurs rêves. Vous vous êtes servi de moi pour apaiser la colline dolente. Rien n'est gratuit en ce grand monde. As-tu détruit la source du mal? La paix est-elle revenue à notre domaine? Oui. Quelle chance d'avoir trouvé un chevalier si brûlé, si fort. Qui était l'esprit emprisonné dans l'arbre? Une femme qui a cru pouvoir échapper à la mort. Heureusement, elle n'a pas pu te tromper, pour le chevalier. Tu as débarrassé le monde d'un grand mal. J'ai rempli ma part du marché. À votre tour. Parole donnée, jamais nous ne brisons. La fille, pâle petite chose, cheveux gris souris, comme qui dirait. Maigre comme un clou, terrifié, épuisé. La pauvre, elle pouvait à peine tenir debout. Nous l'avons prise sous notre aile. Comme si elle était notre propre fille. Peine perdue, la fille n'était qu'une misérable ingrate. Méchante, obstinée et insensible. La jeune femme que je cherche ne blesse jamais personne sans raison. Elle n'est plus la même alors. Elle a changé. Pourquoi vous a-t-elle attaqué? Elle n'est plus celle que tu connaissais. Elle est rongée par la colère. Je ne vous crois pas. Vous m'avez donné votre parole, alors dites-moi tout ce que vous savez. Nous allons tout dire, mon brave garçon. Nous attendions une personne exceptionnelle. Nous avions lu sa venue dans les entrailles.
Nous avions aperçu son visage dans une flaque d'eau. Elle est arrivée du marais. Au début, nous n'étions pas sûrs quelle fut la personne annoncée. Une enfant de sanction, plongeant et brûlant de mille feux. Nous la tenions entre nos mains. Le sang ancien. Le sang de la traîtresse. Est-elle assoupie? Comme un agneau. Tenez, mes sœurs, ne perdons pas de temps. La table est mise et le chaudron bouillonne. Non, tu sais bien qu'elle lui est réservée. Oh, il mérite l'aura, mais pas tout entier. Bien dit. Inutile d'être trop gourmande. Je prends ses pieds. Si doux, tenu, parfait pour un bouillon. Oh, oh oui. J'en ai l'eau à la bouche. Eh bien, qu'attendons-nous? Oh, tu vas le regretter, ma fille. Tu vas le regretter amèrement. Essayez de la tuer. Vous avez tenté de la manger comme un animal. Son sang portait en lui la vigueur et la fougue de ma jeunesse. Une enfant de sang ancien. Mais tu le savais déjà, n'est-ce pas? Quel dommage qu'elle se soit enfuie. Vous avez voulu la tuer. Je ne vous le pardonnerai jamais. Tu gâches ta salive. Nos destins sont liés, c'est vrai. Mais l'heure de la confrontation n'est pas encore venue. Pars maintenant. Pars à la poursuite d'ombres insaisissables. Souvent tu la verras, mais elle ne sera qu'un mirage. Et si par miracle tu la trouves, elle mourra. On se reverra, gauche veillée. Ha 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 ha